Salut tout le monde, je suis avec Ludo, je suis Robin, salut Ludo. Salut à tous, et là on est parti pour une nouvelle partie de Guild Ball sur Vassal, confiné en direct live d'Internet. Exactement, et pas une partie de caca. En effet, là on a une rencontre de qualité. Autant dire les gars, j'étais tellement joyeux de pouvoir enregistrer ça pour vous et de pouvoir la regarder et la commenter avec vous. Alors, qui a-t-on? Le Brewers en haut, c'est Powell. Powell qui a été meilleur Brewers monde, un Polonais de renom, un Polonais solide, très actif dans la communauté, très actif dans la communauté polonaise. Et en bas, on a son frère, son némésis, qui est aussi le mien, qui n'est rien d'autre que Bartek. Bartek, donc pareil, hein, Bartek, un Polonais monstrueux, un Polonais qui a gagné pas mal de titres, qui a été meilleur 1G monde pendant un temps. Donc c'est simple, on a un ancien premier Brewers monde contre un ancien premier 1G monde. Donc il y a du level. Ils se connaissent bien, ils ont l'habitude de jouer ensemble. Et là, ils se rencontrent lors de la Lockdown Cup. Donc on a déjà commenté quelques games, dont notamment celle d'une d'Eria. Et donc voilà, et donc ça va être la folie. Parce qu'il va y avoir un Du level lockdown. de bâtard. Exactement. En plus, c'est deux façons différentes de jouer. D'un côté, on aura le brewer qui va plus taper, etc., tanker avec cet off-hide. Et en face, on va avoir plus de l'ingé qui se joue plutôt foot, mais qui peut aussi faire des dégâts. Donc, Exact. c'est intéressant. Ouais, moi j'ai voulu à tout prix voir ce match parce que je sais que je suis assez en désaccord avec Bartek sur pas mal de points en ingénieur. On se recoupe sur d'autres, mais on est en désaccord sur pas mal de choses. De toute façon, je suis jamais d'accord avec les gens. Donc voilà. Mais, mais du coup, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Tu vois, par exemple, il sélectionne. Il avait Pinvice Ballista, Ego Ballista contre Brewers. Tu vois, moi je trouve ça extraordinairement ouf. Et en face, on a Tapper. Tapper, par contre, c'est ce que j'aurais pris aussi, surtout avec Esther en deuxième capitaine, contre Ingénieur. Les listes construisent. On a Spigot vétéran en face. Ah, vétéran, d'accord. Vétéran, ouais. Decimate. Mais en fait, Spigot vétéran à Balzgon, si je dis pas de caca. Il a Close Control. Donc, il va emmerder les ingés. Il a d'autres options de fou. Il a le Goad. Et il peut tirer au but en héroïque, tu sais. C'est vrai qu'il a le code. Donc, Decimate. Hooper. Hooper. Bon, moi, Hooper, je ne le joue qu'avec Corker. Je le trouve assez mou Donne des sinon. bonus aussi de. On s'appelle de Kick aussi. Autour de lui. Il a le football légende tout à fait, donc lui-même est quelque chose comme 4-9, je crois, en entrée. Vu qu'il est Ouais. 3-8, plus football légende. En bas, on a Donc c'est ça. Salvo Spade Nomade. Donc, déjà, moi là, je suis déjà choqué parce qu'il n'y a pas de Ratchet et il n'y a pas de Mecha. Ça veut dire que là, Ratchet a moins d'impact si Ratchet est pris en dernier truc. On finit avec Stalker côté Brewer, ça me fait plaisir. Et on finit avec Fuse. Donc, c'est simple, c'est 4 strikers. Avec un seul qui tire, enfin Nomade peut tirer, mais en général à 6 pouces quand tu tires, c'est que c'est la fin. Donc c'est une line-up complètement ouf, tu vois, c'est un balista football. Ouais. Et en face, Avec la moitié de la compo qui tire. Et encore, non, il n'y en a que deux qui tirent en vrai. Non, bah trois. Fuse et Avec Spade. Nomad, Ballista et Fuse. Et bah en fait, Et ça. Nomade il tire à 6 pouces, hein, donc si tu tires avec, have fun. Hein. En face, je suis vraiment étonné des Brewers qui ne jouent pas Steve contre Ingénieur. Pour moi, c'est un prérequis, Steve. En fait, Brewers est très linéaire comme faction. Très, très, très linéaire comme faction. Et donc, du coup, ouais, y a Inspiration Hat là, qui a marqué dans le chat en haut. Vous pouvez le voir il est fan de Powell pour avoir sorti Vétéran Spigot. En vrai, en France, on a un Dijonais, hein, Emeric, qui joue beaucoup Vétéran Spigot. Il me l'a joué, il l'a joué à plein de gens, et en fait, il le rentabilise très très bien. Et c'est vrai que par rapport à Friday, il apporte pas mal de choses, comment dire, il apporte plein de choses, et il demande pas le couple Friday plus Spigot 1 pour que Friday soit forte. Tu vois ce que je veux dire, Ludo? Pour avoir le bonus de défense et tout ça. Il y a des trucs sympas, hein. Et Bazgon, le tacle cadet. Ah ouais, que n'a pas du tout Friday. En fait, Spigot Vétéran a plus d'options offensives de football que Friday. Sakic Fuse, bon ça moi je respecte vachement, vous savez que je suis un grand fan de Fuse, Ludo aussi, c'est l'école Fuse. Strasbourg c'est vraiment l'école Fuse, hein, de toute façon. Hein. C'est le mec boîte à outils qui saura s'adapter. Un kick qui est quand même super sexy, qui est pas mal. Je sais plus contre qui j'ai joué.
J'avais joué fusion kick, etc. Il rate son kick et après finalement dans son déviation elle est juste nickel. Et là tu fais bah voilà c'est fuse quoi. Même quand il fait de la merde, ça finit bien. Ouais. C'est ça. C'est pas grave, il va se débrouiller. Il trouvera une solution. Et c'est vrai que quand t'as pas de close control, tu vois par exemple si Decimate fait la passe à Hooper, c'est chaud parce que Hooper ça, il KO en 3. Et donc si Fuse va se téléporter sur lui pour lui prendre la balle et tirer au but, la contre-attaque. Alors si la contre-attaque il peut peut-être faire un smashing chin, mais je crois qu'il est aussi en 3, c'est compliqué. À côté des Momentum, vous voyez une petite figurine de Locus qui s'appelle David Cameron. Pourquoi? Parce qu'en fait David Cameron est un grand défenseur de Locus. Moi aussi, je l'aime beaucoup, mais David Cameron, il le fait depuis toujours de défendre Locus. Et donc du coup, quand Bartek joue, il met une figurine qu'il appelle David Cameron qui regarde la partie pour être sûr que voilà que tout va bien, tu vois. Que tout va bien. Voilà. Si vous voulez renommer vos persos, c'est Ctrl N sur Vassal. J'ai tendance à le faire, donc n'hésitez pas. Jean Micheline. J'avoue que j'aurais dû appeler Colossus Jean-Michel Destruction, ça c'est quelque chose que j'aurais dû faire depuis il y a longtemps, mais j'appelle mon Knuckle Renault en ce moment. Alors, à quoi ressemble un tour 1 Ballista Kick Fuse avec autant de strikers? On a 1 sur Spade, 2 sur Salvo, 6 sur Ballista, et 4 sur Fuse, bien sûr. En face, on a 6 sur le capitaine, parce qu'avec la balle, on sait qu'on va pouvoir faire des tricks. 0 sur Vétéran Spigot, parce que potentiellement, il peut faire une passe ou un tir au but gratuit. Même s'il faudrait qu'il dodge le 4 sur la passe pour pouvoir faire quelque chose. Decimate à 3, 1 sur Hooper, 1 sur Stalker. N'oubliez pas, Tapper peut donner de l'influence, donc il peut se passer des choses. Ah, je pense que Powell regarde ce que peut faire notre ami avec la balle. En vrai, il peut la récupérer chez lui, juste faire la passe à 10 sur plein de momentum et shooter, hein. Plein d'options sont possibles. Donc, Hooper va venir prendre la balle. C'est une course. Ça ressemble à une course. Non, c'était un jog. Passe à Stoker, c'est oui. Putain, c'est audacieux, une passe avec le bord de table et le hors-jeu ici. C'était audacieux à 2D. Nomade avance, il ne fait rien. Il se met à 4 pouces du terrain difficile, c'est tout. Stoker va avancer, très certainement faire une passe sur Decimate. Qui est raté. À 3D sur 3 puces. Et merde, passe ratée. En fait, là c'est. Ouais, bah y'a but. Bah voilà Ludo, là voilà la passe ratée qui fait que lol, Là. il n'y a personne sur le ball pass. Fuse. En fait, Fuse, il est devant, il a les mains croisées, il est en mode bon, allez-y, Ah, c'est pas je pour vous rien regarde, hein. c'est pas pour rien qu'il pointe du doigt la figure, elle fait ah t'as raté, il y a but. Hop là, tant pis pour toi. Elle est malheureusement pas à 6 pouces des cages, parce que sinon t'imagines si c'était à 6 pouces des cages, il aurait pu kicker à 6 pouces de la balle pour la mettre dans les cages, puis dodger de 4 en arrière pour être safe, ça aurait été incroyablement débile. Non. En mode lol, allez, c'est bon, je m'en vais. Voilà. Non, là c'est quand même un poil plus compliqué que ça. Ou alors ils considèrent qu'elle y est. Enfin pour moi ça a pas l'air d'y être, mais je ne sais pas ce qu'ils font. Après peut-être qu'ils veulent la kicker en arrière, je ne sais pas. Après. Et ça ressemble à un clear tout ça. Après, il peut se TP sur quelqu'un, marcher dans son MZ et après la mettre au but, hein. Ah, je crois qu'il veut la shooter chez lui, il veut pas marquer. Parce qu'en fait, aussi bien, il aurait pu juste charger Ouais, Tapper. Hein. parce que. Il se place, il Ouais, tout charge simplement. Tapper et il marque son but. Hein. Donc il a kick chez lui, c'est réussi. Elle vient là sur Nomade, il relance le kick, qui est pas ouf. Elle vient là. Ah. Il s'est déjà déplacé. Non. Donc il peut courir prendre la C'est juste balle. place. Ouais. Il vient là et il fait la passe à Mindspring. Et là, c'est catastrophique. C'est catastrophique pour le Brewers qui n'a plus la balle, qui a fait un seul momentum et qui n'aura pas d'accélérateur de mouvement, quoi. Donc, on est en x2, donc ça joue très vite, mais c'est parce qu'on est en x2. Mais on se permet de le faire sur du Vassal. Vous nous direz si ça va, si c'est suivable, parce que c'est quand même très lisible, Vassal. Voilà. Il faudra juste être accroché quand les attaques s'enchaîneront, mais de toute façon, on comprendra vite que quand ça tape, ça tue. Hein. Mais voilà. Donc, Mainspring fait une passe à Spade. Ça, c'est gratos. Gratos, Elle monte ça fait sur la plaisir. table. Ok. 6. Donc, Spade prend le momentum, je pense. ouais, bah ouais, tout à fait. Hein, ça. Avec un Là. influence, hein. Si elle avait plus d'influence, elle aurait pu marquer. Avec un dodge 4.
Ouais. Alors je me suis rendu compte d'un truc, c'est que Spade en ligne droite depuis le déploiement collée à ses cages, elle a pas besoin de dodger pour marquer. D'accord. C'est-à-dire que tu la places, Ouais, c'est ça qui est bien aussi sur Vassal. Tu peux faire des tests et tout sur ouais, Vassal avec les ça c'est pions, voir ouf. ce qui marche, etc. au niveau des mesures. Ouais. Mais en fait juste elle se place, s'il y a quelqu'un à l'endroit où elle doit aller, elle le push de deux avec son sort. Et elle court, elle se place, elle marque. Mais si le mec le sait, il met trois figurines et tu tires un dé quoi, donc c'est quand même nul. Mais voilà, c'est possible. Passe à Salvo, c'est réussi. Momentum qui afflue. Est-ce qu'il va y avoir un dodge pour pouvoir avoir des tirs et être safe? Il regarde les 8 pouces, il n'y sera pas. Il va prendre le momentum du coup. C'est pareil que de prendre le momentum. Parce que oui, en plus, c'est l'ingé qui finit, il peut finir par un but et puis le... Ah, ça serait beau de finir par un but, je t'avoue. Mais j'ai pas l'impression que ce soit le plan parce que vu comme il s'est placé. Enfin, ou alors il faut que Balista dodge 4 et qu'il légendarie, tu vois. Mais ça peut être un plan, hein, parce que tu dis, si Balista... Bon, après tu claques le légendaire sur le premier but, mais si tu commences le tour, la balle a dévié de ton dernière activation, tu sais que t'as l'initiative. Alors après, ton Spade et ton Fuse sont un petit peu loin derrière, mais ça peut aller très vite. Hein. Nomade, il contrôle le flanc droit, Spade Fuse le flanc gauche ou le centre. C'est pas mal, hein. T'as Salvo aussi, hein. Donc Salvo va venir ici. Ah, 8 de quelque chose. Il shoot, je pense, c'est Decimate qui shoot. Bam! Un dégât KO. En vrai, Okay. Decimate, c'est une des rares figurines avec Stalker qui peut tuer. Stalker, ça va être compliqué de le tuer parce qu'il n'a pas de single out. Il n'a pas de figurine très forte en ganging in. Il n'a pas intérêt à créer des grosses mêlées. Donc c'est vrai que spammer un petit peu, ça peut être pas mal. Et passe ou dodge 4 sur Balista. Donc Balista, là, il est en menace de marquer. Il est en menace de faire des choses. Tapper prend le cover, de toute façon voilà, il n'y a pas de mystère à ce moment-là, c'est bon quoi. Balista, qu'est-ce qu'il peut faire? En vrai, Balista, il pourrait aller marquer et dodger vers les cages adverses en se collant à Decimate, tu vois, pour le prochain tour. Tu vois, ça serait ouf en vrai. En mode couverture de la table. Il vient ici à 10, il shoot. Sur Tapper, oh là là, mais le Brewers, il a deux figurines KD en fin de tour, c'est infâme. 3 dégâts qui font 2, KO. Il peut se second wind. Parce qu'en Ça vrai, s'il fait fait. ça, il met le but, Et il dodge le après il 4 vers revient les en arrière, cages. il peut même se permettre maintenant de revenir en arrière et dire, vas-y, tu commences. T'auras pas de momentum. S'il sait qu'il n'y a pas Ouais, la c'est carte vrai que pour relever le c'est encore cadet, mieux. C'est encore mieux, t'as raison. démerde-toi. C'est encore mieux, ouais. Donc, du coup, il légendaire, il marque au but. Ça passe, il y a but. Putain, il a pas boosté le mec, quoi. Il a 1 million de momentum en plus. Il dodge le 4 gratuit post-but, mais il booste pas. C'est Et une second Wayne, il revient. paire de boules monumentales. Donc un tour, ou la vache, la passe ratée de Stalker, on s'en souvient quoi. Et la balle va dévier ici, ce qui fait que Fuse peut la shooter dehors pour qu'elle revienne plein centre. Est-ce qu'il a vraiment intérêt à faire ça? Je ne sais pas. Elle est hors portée de Mainspring. Ouais, c'est un bon dégagement de balle de la part de Powell qui rattrape bien cette fin de tour avec ça. Parce que si elle était mal dégagée, on est allé au 8-0 direct quoi. Donc, Bartek est à plus 3 sur les cartes. Je ne connais pas les cartes des joueurs, bien sûr. Donc, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Impressionnant tour 1. Oh, merde. Il regarde un peu ce que Fuse peut faire. Il peut la kicker dehors, hein, ça, il n'y a aucun souci. Avec un d'inf, il peut la kicker dehors. Après, tu la kicks dehors, c'est gagnant-gagnant aussi parce que le mec doit réagir avec là où elle va aller, tu vois. Donc, oula. Donc, le terrain difficile au milieu de la table est un face grande. Donc, le Brewers peut charger avec n'importe qui toute l'armée de l'ingé. Donc, c'est une grosse donnée. Et Punching Bag, il met Tough Fight sur Fuse parce qu'il sait qu'il va le commit pour mettre la balle dehors. Du coup, qui a décidé de prendre l'initiative? Je pense que c'est Bartek, mais on va voir ça. Ouais, non, il avait juste pris l'initiative. Spade Salvo assez haut en influence, ça sera pas un tour nomade. Il pense, il croit moins à nomade. En face, vétéran Decimate full. Hooper 1. 6 sur Tapper. C'est le daron. Hein. 6, 9, 10. Il lui manque 2 encore. Stalker qui bouge. Ah, c'est un peu la folie ce début de partie. Hein. Une sur le chat.
En vrai, il est même pas obligé de jouer la balle tout de suite. Hein. En vrai, il peut mettre son balista en face, faire ses tirs, continuer à mettre KD, et puis en mode c'est bon, j'ai mes mines, viens me chercher. Je sais pas, parce que s'il fait ça, Vétéran Spigot ramasse la balle et se met dans le coin en haut à gauche et c'est foutu. Ouais. Ah, il la kick vers chez lui, mieux que la kicker dehors, il va essayer de la reprendre sur le chemin, c'est intelligent. Est-ce qu'il va y arriver? Oui, il est sur le ball pass, parfait. Donc Fuse peut prendre la balle et faire la passe à Mainspring, c'est incroyable. Il a peur du miaou. J'ai pas compris par contre. Il fait pas la seconde passe? S'il la fait maintenant? Il la laisse au sol? Quoi? Non. Si? Bah pourquoi? Ah, il a couru pour aller là-bas peut-être. Du coup, il a pas l'influence pour la réinjecter. Ouais, Ah, il aurait mieux spécifiquement fait. qu'un En plus, il y influence. a un sur Mainspring. Ouais, bah, il aurait mieux fait de. Ouais, c'est pas ouf, hein. Parce que le chat, il a un pré-cam move, ça va. Tu vas être obligé de claquer Spade pour aller chercher la balle, quoi. Ouais. Et le chat peut la kicker derrière à fond, et du coup, ça a contré complètement le commit de. Ouais, je suis pas convaincu, hein. Ouais, tu vois. Ça servait à rien. Il aurait dû mettre un. Il aurait dû remettre le. Ah ouais, je comprends pas du tout le move de Bartek là. Il aurait dû lui mettre 3 pour faire ça avec Fuse. S'il Mais mettait il a dû la se balle tromper, sur peut-être qu'il l'a vu Mainspring, qui après. dodgeait de 4 en arrière, il savait qu'il pouvait marquer un deuxième but quand il voulait. Un 1 d'inf près là. Bon, bah elle est sur Vétéran Spigot littéralement. Voilà, là ça a servi à rien. Il a pris l'initiative et ça lui a fait que des défauts. Il tape Fuse, ça fait rien. Miaou. Ouais, il a gaspillé ses deux d'influence en fait, hein. Spade peut y aller là, mais le problème c'est qu'il y a close control. Donc elle peut charger, il peut monter la def. C'est du 4-1, Vétéran Spigot, ça fait 5-1. Et il faut 6-5 plus avec 8D sur Spade, donc have fun. Donc c'est la mort quoi. Ou alors bah, il faut qu'il lui tire dessus pour le mettre KO. Mais il peut l'activer et ramasser la balle. Enfin. Ah, il se retrouve dans une situation caca alors que son début de tour aurait pu être parfait, quoi. Hein. Vraiment, dommage. Ouais. Si j'ai quelque chose à dire, c'est dommage. Ce 1 d'influence sur Mainspring aurait dû être sur Fuse. Pour faire la passe, il aurait dodgé de 4. Mainspring aurait fait la passe à Spade. Elle est déjà en position de but. Elle aurait pu s'adapter en fonction des deux menaces en face pour être sûr de marquer. Tu vas marquer. Tu finis le tour en sachant que tu vas manger chaud parce que le Brewers, à un moment donné, il tape. Mais il y a 8-2 pour toi, quelque chose comme ça. 8-2, 8-4 pour toi. Et il reste un but à marquer, quoi. Nomad va juste faire une activation tampon pour se placer là-bas. Parce que là, il n'a pas de solution pour prendre la balle à Vétéran Spigot. Et bah, du coup, c'est galère, quoi. Il peut le mettre KD avec Ballista. Hein. Ouais, bah oui, mais il n'a pas joué. S'il a zéro momentum. Il a zéro momentum. Comment ça se fait? Il n'y en avait pas un pour jouer en deuxième? Ah oui, il relève des teammates. C'est parce qu'il relève des teammates. Sinon, il l'avait. Il avait son momentum. Pouf! Il va jogger. C'est une charge? D'accord. Il charge sur Ballista. Bon, bah, Chaos Tiger, bisous dans le cou. Avec ses 7 net hits, il y a même un push de 2 momentum sur le wrap. Bon, 2 momentum. Le taxi qui se met en place. Nouvelle attaque. C'est du 2 plus, il y en a 5. Boum, repoche de 2 momentum. Ah, elle avait héroïque. C'est pour ça qu'il avait pris qu'un momentum sur la charge. Il avait héroïque pour pouvoir suivre. Même si on ne dodge plus que de 1, c'est déjà pas mal. Encore une. Paf. Et on suit de 1. Et là, ton balista, il est dans le caca parce que ta peur peut le tuer. Ça va forcer l'activation de ta peur tout de suite. De balista, pardon, tout de suite. Ça shoot, ça touche sur Tapper. Boum. C'est relevé. Du coup, il n'avait pas de momentum, donc il est forcément là. Il faut qu'il second Ouais. wind pour aller se placer là. Et ce second wind pour se casser. Alors ça, c'est plutôt intéressant parce que
C'est plutôt intéressant comme choix, je trouve. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, Ballista n'est pas sauvé en soi parce que ta peur peut venir, on est d'accord? Ok. Mais il faut une passe à ta peur de la part de Vétérans Spigan, donc il faut qu'il joue la balle face à une spade 4-4 d'inf. Donc en fait, c'est plutôt intelligent de la part de Bartek. Il lui dit, mon Ballista, tu peux l'avoir si tu le souhaites, mais pour l'avoir, tu risques de prendre un but. Et là, il regarde le meilleur spot pour obliger Ballista à se balader et à le mettre mal. Est-ce que c'est pas mieux d'aller là-bas dans le terrain? Et apparemment, oui, il préférera ce spot à droite. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'influence de l'autre côté. Et surtout, en fait, Tapper veut jouer relativement tôt dans le tour parce que son hold Jake, pour mettre de l'influence Et sur les bien coupes, sûr, hein. exactement, ouais, de l'influence, même pour le Commanding Aura, hein. Plutôt tu l'as, plutôt les copains, ils ont plus un attaque et plus un dégât. Bien sûr. C'est pour ça que les morticiens aiment beaucoup mettre Tapper en dernière activation, en Ah, mode, silence ouais contre ok, t'as Tapper, c'est quand même un contre très solide. Hein. Tu joues en dernier mon des gars, bonus. oh. Chiasse. True grit. On va mettre une seule attaque sur Ballista, sûrement rechercher le KO de nouveau. On est à beaucoup de dés sur du 2-1. Ça en fait 5 qui font 4. Est-ce qu'il va aller prendre un 3 dégâts qui font 2? Moi je pense qu'il va mettre un KO momentum, mais on va voir ça. Le G fait réfléchir en tout cas. Et c'est le KO. C'est le KO qui a été sélectionné sans grande grande surprise. Bon ben là le problème c'est qu'est-ce qu'on fait côté 1G? On va commencer à dépenser de l'influence. Parce que comme on a commencé, c'est quand même chiant. C'est quand même chiant. Là, Salvo, avec 4 d'inf, il aurait pu tenter une ritournelle en chargeant Vétéran Decimate. Il aurait pu dodger pour se mettre à portée de Vétéran Spigot, pour lui tirer dessus une fois et tenter l'héroïque pour ramasser la balle et la poser pour Mainspring. Mais c'était l'ancien Salvo. Maintenant, c'est plus compliqué de faire les mêmes choses. Donc il va, je pense, farmer du momentum. Est-ce qu'il shot pas first pour la mettre KO? Non, il tape juste Vétéran Decimate. Il fait un dodge de 1. Momentum, il va tirer, je pense, sur Vétéran Decimate. Ah, il fait un push dodge sur la deuxième attaque, pardon. Des trucs contre-attaque de la part de Decimate pour qu'il se colle. 6D. 6D, je ne sais pas qui tape à 6D comme ça. Ok, il se met en dehors de Stalker. Vous avez vu les Polonais, ils regardent assez. Bon, là en x2, hein, mais ça regarde assez vite les auras de menace. Paf paf, on voit un peu ce qu'on peut faire vite. Là, il peut jogger assez loin, notre ami Stalker. Et il va venir engager. Donc, ouais, on repousse cette activation de tapeur à la dernière côté Powell. Et donc, du coup, on met Mindspring en chemin qui va venir taper. Mindspring à plus 2D. Et ben ça fait que dalle. Dommage parce qu'un titif momentum aurait pu rembourser cette influence sur. Mais c'est raté. Et ben c'est tapper first. Il veut tellement pas prendre le but qu'il va préférer s'excentrer. Et qu'est-ce qu'on dit face à un tapper qui s'excentre face à une spade, Ludo? Ça dégage. Ça dégage. Il faut bien qu'il regarde. Bon là ça va, il s'est mis plutôt safe, disons. Hein. Parce que s'il fait un peu le couillon, ça peut aller très loin. Je crois qu'on a monté la def côté Powell, côté Bartek pour dire voilà tu l'auras pas ton commanding aura. KO sur la charge, bon bah le commanding aura sur la deuxième. Il reste que trois attaques, il est tough hide hein, notre ami Fuse, donc il risque de ne Plus pas ça. mourir. Hein. Il risque de ne pas mourir. C'est que 16 PV top side, c'est long. C'est par tranche de 3 dégâts. C'est par tranche de 3 dégâts, mais qui ne font pas 4 avec le. Parce que le tough fight le sauve pas mal. On ramène Fuse vers les copains. Bon, il aura quand même pris cher. Hein. Il aurait pris 3 dégâts de plus, 3 ou 4 dégâts de plus. La 9 PV, ça reste quand même une somme.
Et que faire avec cette spade? Est-ce qu'elle peut au moins prendre la balle à... Et avec l'héroïque, il a donné 2 d'inf à Vétéran Spigot, c'est plutôt sympa. Comme ça, il sait que si spade tente la folie, il peut y avoir une défense. Tapeur pose une grosse mêlée zone en chemin. Est-ce que spade peut charger? Est-ce qu'elle peut... Parce qu'après, ça peut... Enfin, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant de voir un petit peu comment. C'est quand même cool les miners, on se fait plaisir. Elle est bien cette faction. Elle aime... Enfin, j'aime bien les miners, les Fuse et Spade. Je veux dire, quand Ingé n'avait ni Rivette, ni Fuse et ni Spade en début de saison 4, on se faisait un peu chier. Pardon. Mais on est. Voilà. Pour 1, il push tapeur de 2, je crois, oui. Et après il charge en se disant de toute façon je finis ma charge sur Jean-Michel là-bas. Et il monte la def. Donc ça a rien fait côté Bartek. Il a fait un tacle mais bon bah voilà quoi. Avec Lost Control ça ne saute pas. Et Powell va poser son vétéran Spigot ici. Puisqu'il sait qu'il a plus de momentum, donc il y a beaucoup de chances qu'il commence. Et s'il commence, il peut soit tenter du momentum sur Spade, ce qui va être très compliqué parce qu'il a 5 de tac et que c'est en 2 qu'il momentum. Ah non, qu'est-ce qui Ou s'est sur passé? Fuse, hein. Fuse et cadet, Et il va faire la passe à Tapper avec l'héroïque ou avec son influence. Et niveau momentum, c'est kiff-kiff, hein. Il y a eu beaucoup de dépenses. Une passe à 4D. 3D, pardon. C'est oui. Est-ce qu'on en profite pour ramener pas Tapper? Est-ce que Tapper peut faire la fameuse activation à 6 points, tu vois, s'activer, tuer Fuse marqué? Ça pourrait être quelque chose pour revenir bien dans la partie et mettre le poser la Commanding Aura commande dans la Aura au foulée. centre. Pardon, tu dis Ludo? Ouais. C'est ça, mettre la Commanding Aura en même temps. Voilà, reculer, mettre la commande Aura, héroïque sur. Ok. Et ensuite, il tape une fois notre ami Spade. Et apparemment un petit coup de chance, hein. Il y a quand même un petit push là-dedans, donc ça fait un momentum de plus. Deux momentum à zéro. Bah écoute, le Brewers qui fait 0 points en 2 tours quand même. Pas facile, c'est un 0-0 sur ce tour 2. Et qui setup Je suis de 6 points quoi. vraiment rageux de ce Fuse qui n'a pas l'influence nécessaire pour réinjecter la balle sur un mainspring ou sur une spade qui aurait permis mais tellement, tellement de choses. Je suis trop déçu sur ce choix d'influence, c'est dommage. Mais Ça c'est le genre de choses que les gens ne voient pas en fait avec Fuse. Là tu te dis ouais mais c'est pas possible qu'il récupère la balle, qu'il la réinjecte et tout. Mais en fait si, avec de la chance il le fait. ah, il peut. Fuse c'est tellement l'homme des surprises en mode non mais c'est bon il est à 6 il est loin la balle faut qu'il la prenne etc mais non il la joue au sol il la reprend dans la route il marche il la prend il la redonne il y a pas de souci c'est Ah ouais, c'est impressionnant. la vitesse de tapeur 1 2 3 4 5 6 hop là ça c'est fait Ça s'est fait, ouais. Il est prêt. Il est prêt, le tapeur. On sait ce qu'il veut faire. Il peut le faire. Donc, on il est prend son prêt. bâton tu vois dans la main il la tapote etc en mode c'est bon ça va chauffer Franchement, le Brewers marque. Toi, t'es ingénieur, tu fais quoi? Tu marques aussi? On est d'accord? Ah, Decimate a bougé. Elle a dû cliquer. Parfois, ça arrive sur Vassal. On a la main lourde. On clique, ça bouge les choses. Decimate a un poil bougé. Après, ça dépend comment il met son influence, hein, j'ai envie de dire. Moi j'en mettrais Ça peut sur être. Nomade, comme ça Nomade il peut peut-être marquer. En vrai, le coup de connard à faire, c'est que tu viens avec ta peur, tu fuses. Tu commences à tuer un peu tout le monde et tu remets la balle sur Spigot qui redodge. Démerde-toi avec. Ah mais Spade, alors ça ça va vraiment, mais alors c'est pas bête, hein. Mais ça va dépendre de combien d'influence a Spade. Si Spade a 2 ou un truc Exactement. comme ça ou moins, tu peux faire ça. Parce que Spade ne peut pas prendre Ouais. la balle à Spigot et du coup t'es gagnant, tu vois. Par contre, s'il y a 4 sur Spade, et je pense que Powell est obligé, enfin pardon, Bartek est obligé de faire ça. Par contre, une chose importante sur l'influence, à savoir, c'est qu'il a joué 110% notre ami ingénieur, et il a marqué un but. Donc il est à 16 d'influence. Donc il est quand même à 16 d'influence, donc il peut complètement charger cette petite Spade. Fuse, il peut lui laisser 0, parce qu'en vrai, Fuse, bon, ben, au pire, il se relève, il se met à cover, et puis il s'enlève le KO, quoi. Si jamais il n'est pas tué. Et Ouais, il y a bien Spade qui a les 4 sur 4. Spade, il y a 4 sur Spade, il n'y a pas d'embrouille.
4 sur Spade, 6 sur le capitaine, 4 sur Nomade, on est déjà à 14, 15, 16 sur Salvo. Donc on est presque full influence côté 1G sur les squaddies. Orpheus bien sûr qui va sûrement décéder. Donc on est quand même plutôt pas mal. Ce sera un tour qui va être sexy. Tant pis pour cette décimée qui a un peu bougé au clic. J'espère qu'ils se souviendront que Mainspring l'engage. Et là, c'est parti pour ta peur. Donc Tapper C'est bien ça, hein. fait la marave. Je regarde un peu les lancers de dés. Pour l'instant, j'ai l'impression que sur la première, il a fait deux dégâts. On va faire un mark target aussi en même temps. Ah ouais, peut-être qu'il a fait ça. Mark target sur Salvo. Bien joué ça. Ça a touché Mainspring. Ils l'ont. En fait, d'accord, ok. Ils pensent que c'est Mainspring qui a bougé. Bon, ça change pas grand-chose au melee. Hein. C'est pas grave. Ils repartent sur Fuse. Il a lancé le Commanding Aura en direct, hein, je crois. Oula, ce G, ce G, ce G. Bon, bah, il y a eu Wrap avec Commanding Aura, donc Fuse est mort. Oh la vache. Et un deuxième Mark Target du coup qui tombe sur Spade. Le Brewers est à 2 momentum. Bah, c'est un peu compliqué parce qu'il faut qu'il est héroïque. Il n'a pas encore héroïque. Héroïque qui? Héroïque Spigot? Spigot Decimate? Decimate, je crois qu'elle est pas full, hein. C'est Decimate, hein. Il a plus d'inf. Est-ce qu'il a pas déclaré une charge sur Salvo? Parce que l'ingénieur a dépensé son momentum. Peut-être qu'il a juste chargé. C'est ça. Il a juste chargé Salvo. Et il garde la balle sur lui. En disant Spade est trop loin pour marquer en une fois. Attends. Il veut avoir la ligne de vue sur Stalker pour lui mettre l'influence. En plus, ça roule. Donc il vient là. Oh putain, la team des connards quoi. Oh là Prendre là, Ningora et quand t'as Cooper et Sock. ce G où il fait. Bon, ça va. C'est moyenne haute, mais il est impressionnant de 6. Boum! Salvo, c'est le KO. Et est-ce que. Donc Tapper garde la balle sur lui. Il va héroïque, je pense, pour Stalker. Ouais. Une sur Stalker. Sûrement une sur Decimate. Un petit stagger à mettre en chemin. Et du coup, on ne marque pas, mais par contre, on pose la balle dans la team adverse. Il y a des choix. Il y a des choix qui sont faits. Donc Spade peut rappliquer. Elle peut même pusher de tapeur de 2 vers le haut pour sortir tapeur de la mêlée zone de Salvo. Parce que là, il faut se dire que Commanding Aura et charge pour 1, Hooper peut tuer n'importe qui. Alors, ok, donc Ballista tire sur Hooper. Il le KO push de 2. C'est Ballista qui va faire le taf. C'est Il va retaper. KO Decimate. Il retape, je suppose, sur Stalker. Il push en 2, donc c'est quand même pas mal. Sidé, ça doit être sur Stalker. Paf! Stalker push. Donc il gère toutes les mêlées. Est-ce qu'il peut? Ouais, je elle est pense qu'il libre. peut. Il peut jogger pour aller taper Tapper. Non, c'est pas ce qu'il fait. Il va sur Decimate. Minefield. Ah, pas mal. Ça y est, on démarre le minefield. Ça marche qu'une seule fois le magnifique, c'est ça? C'est une fois qu'il rentre ou qu'il sort, après c'est fini ou c'est tout le tour? Tout, c'est tout jog, tout advance, adverse. Qui rentre ou qui sort ou qui passe par le minefield prend 4 dégâts. Si tu as Tout stamina et le que tu tour. jogues deux fois, tu prends deux fois 4 dégâts. C'est qu'une fois par advance, mais c'est à chaque fois que tu avances. Et est-ce que si tu mets tout l'up, ça marche aussi? Oui, ça passe à 5, ouais. Ok. Ça veut dire que ton balista il peut tirer à 4 dégâts et avoir un minefield à 5 dégâts. C'est pour ça que j'aime bien Ratchet et Ballista aussi pour ça, c'est que tu peux setup pour que Ballista fasse son kill. Mais le problème c'est que c'est la temporalité de tout ça. C'est que si tu passes par des setups, fatalement, t'as moins de minefield posé sur la table, donc il a moins d'impact. Ballista il aime bien Ouais. minefield très tôt pour vraiment Oui, menacer. tout à fait. Et donc il va aller taper ce tapeur pour le mettre à 2 pouces de tout le monde sauf la mascotte pour éviter la charge gratuite et tout. Donc là, en fait, son balista, il l'a joué en tank, comme un tank.
je pose des KO, je fous la merde, je fais du momentum, je sauve les copains, et voilà quoi. Et je crois qu'il a relevé, il a relevé Salvo pour pas que Hooper puisse l'atomiser, comme si de rien n'était quoi. Que vous savez, Hooper a ce problème de pas poser très très bien les KO. Il les pose ok, mais sur un 4-1, du coup, pour poser les KO, c'est long, quoi. C'est Stoker qui va jouer, vu que son KO a sauté. C'est gratuit avec Stoker, soin de 2 et le KO qui s'enlève. Pour 2, il commande main quelqu'un, je pense. Ah non, j'ai rien dit. C'est Hooper qui y va. Pourquoi Stoker n'est pas... Ah oui, il a été juste pushé, il n'était pas KO, pardon, j'ai rien dit. Donc je crois qu'il prend la charge 1-1 sur la mascotte. Il prend les 4 dégâts, hein, il en va sans dire, qui font 3. Alors, là c'est sur la mascotte. Il est à 1 million de dés environ. Il est à... La figurine est à 7, 8, 9 dés, plus les 4. T'es sûr que c'est la mascotte? Parce que là, il a remis KD, Salvo. Ah non, bah alors c'est là, il va taper Salvo, j'ai rien dit. Il réussit le KO sur la première. Vous voyez les PV qui ont chuté de manière assez violente sur la deuxième. Et bah je pense que. Ah, le jet est pas ouf sur le dernier. Il fait que 4-3 plus. Du coup, il ne peut pas tuer. Je crois qu'il peut faire que 2 qui font 4. Ouais, Salvo, en gros, il faut que tu joues, hein. Donc Salvo va jouer, il forfait de son bout, j'ai l'impression. Il tape Decimate. C'est con de voir forfait de son move dans ces moments-là. Un momentum pour ça, parce qu'en fait sinon il pouvait vraiment s'enfuir et le sauver. Il tire KO sur... Avec le môme. Il faut que cette balle elle vive. Ok. Et tu vois, s'il avait eu le momentum, il aurait pu se relever pour aller la chercher, faire la passe à quelqu'un. Alors que là, il est très statique. Et du coup, le chat peut Ouais. complètement prendre la balle et courir chez l'ingénieur et camper la balle chez l'ingénieur. Tu vois, le full cancer. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait avec sa dernière inf du coup? Là, s'il avait son jog, il pourrait faire la passe. Il pourrait faire la passe soit à Spade, soit à Mainspring. Il regarde si Stoker peut le charger. Ce qui est très intéressant. Parce que si Stoker le charge, il est mort. Donc, du coup, il va se coller à Tapper pour se sauver. Je sais ses concepts. C'est particulier. Salvo, il saute dans les mains de tapeur, tu vois. Il se soigne en point de vie? J'ai pas compris. Ah bah oui, vu qu'il a forfait de son move, il peut le faire, bien sûr. Il se soigne en point de vie. Oula, quel est ce jet atroce? Ah, il va marquer. C'était la parting blow de Spade sur Jean-Michel. Et il va marquer. Paf, il passe à 6. C'est marrant, il décide de marquer maintenant. Il décide de marquer maintenant alors que Nomad et Spade existent. Pour moi, il faut marquer avec Nomad, hein. C'est le seul moment où Nomad il sert à quelque chose. C'est maintenant. Et c'est pas si évident. Moi, je déteste Nomad, hein. Je suis désolé. J'espère qu'il y a des joueurs ingénieurs qui me cracheront dessus dans les commentaires. Je déteste Nomad, j'aime pas cette figurine. Là, il fait quoi? Si Legendary c'est un play, ça ramasse pas la balle. Donc il doit pas Legendary. Il doit Legendary à côté de la balle pour courir. Et il claque un Legendary pour ramasser une balle qui est à 4 pouces de lui. Ça j'aime pas ce perso. Et après il va taper Stoker ou il va taper quelqu'un d'autre. Ouais. En vrai, ça peut être pas mal parce que Stoker peut pas le punir du fait qu'il ait un pre-cam move. Mais il veut rentrer dans les mêlées? J'ai du mal à comprendre. Il prend pas le jeu shoot à 8, il garde le jeu shoot à 6. Peut courir après se TP sur la caisse, un truc comme ça, non? Bon, elle est super loin. Il faut qu'il Ouais, ramasse la c'est balle en chaud. chemin.
Ah, il chargerait comme ça. Et effectivement, il pourrait légendariser sur la caisse à côté de Spade. Ah ouais, là c'est mystérieux. C'est le mystère. Qu'est-ce que tu veux faire? Mettre 2 en kick. Peut-être qu'il cherche des solutions simplement. Voilà, Hein. là d'accord, là je suis d'accord. Donc il va légendary pour se caler ici, puis il va jogger là-haut. Tu vois, c'est voilà, c'est sûr, ça c'est sûr. C'est dangereux. C'est super dangereux. S'il rate son attaque, c'est horrible. Il push dodge une première fois. Ça va. Ça va, le jet est bon. Il peut Le bouger dodge. de 2 même s'il le souhaite. Donc dodge là. Là, le jet de la gourmandise. Il en reprend un. Ouais, bah ça déclare pas de contre-attaque. Donc autant farmer du momentum, c'est pas faux, hein. Et but, tout simplement, on passe à 8 avec ce nomade qui a marqué. Et qui peut un petit peu chier sur Stoker, dans le sens où Stoker n'existe pas. Est-ce qu'il faudrait pas dodger vers la droite avec son nomade plutôt que rester au centre? Je ne sais pas. Tu sais que roulette c'est que pendant son activation, donc son plus d'un kick il le perd maintenant. Donc du coup il re-shoot à 6 actuellement. Donc tu sais plus, c'est pas un poteau snapshot. Du coup pour ton mainspring ou pour des combos comme ça, c'est un peu merdique. Bon, un dégagement de balle qui est plutôt sexy parce que bah, Spade elle est quelque peu loin. Mais problématique parce que Après, il Fury. a le temps de construire, hein. Là, l'ingénieur est à 5 momentum, il a 0 pour le brewer. Il reste 3, 4 influences, 5 avec l'attaque gratuite de Scum, donc totalement il peut faire que 5 momentum dans le tour, quoi, grosso Alors modo. oui et non, c'est-à-dire que Scum a une charge gratos. Et enfin il a une charge pour 1. Et donc du coup, sa charge pour 1, s'il wrap ou des trucs comme ça, il peut peut-être réussir à faire quelques arnaques, tu vois. Là actuellement, Qui en t'a 5 ou 6 quoi. Stoker pourrait complètement charger Salvo, tu vois, héroïque charger Salvo, ou même sans héroïque, pour essayer de mettre la misère un petit peu à Salvo, faire du momentum dessus et que le chat l'achève. Et du coup, il pourrait gagner un course momentum comme ça. Mais je crois que Parce c'est qu'il y a encore plutôt Spade qui vu. a cas d'influence. Voilà, c'est plutôt vu et Spade va essayer peut-être de le carotter. Idée, ça ressemble un petit peu à une charge. Ouais, parce que s'il dégage le C'est ça. tapeur, les charges coûteront plus cher. Et ouais, et je pense que c'est Et ce qu'il elle fait. fait ça en faisant du momentum. C'est ça. Là, il va le repêcher un petit peu quelques fois. On rigole, mais il pourrait l'amener près du bord et mettre une pression avec ça. Alors, voilà, s'il paye le 2 pouces avec le dernier, tu vois, il la met à 6, il met tapeur à 6 pouces du bord, on commence à réfléchir. Il monte à 9. Parce que là, ce qui se passe, c'est que si Fuse y revient, c'est magique, hein. S'il revient du bord, tu vois. Bah, s'il revient du côté droit, il peut marquer, ouais. Neuf momentum pour l'ingénieur. Putain, c'est un chiffre qui est rare. Hein. C'est un chiffre qui est rare. Donc, Stoker fonce dans le tas. Il n'a pas le commanding aura. Il n'a pas la charge pour un. C'est bien joué de la part de la Spade. Il va taper avec ses 5 de tac. Il va obtenir un push de 2, j'ai l'impression. Ah non, il a, pardon, il a le KO. Pardon, il a fait les trois hits moins un d'armure. Il a le KO qui est en 2. Stoker incroyable, hein. Un des meilleurs brewers que, un des meilleurs brewers. Je ne joue jamais sans Stoker. Il tue et il fait tout. Searing Strike, oh là là. Searing Strike. La mascotte bouge, elle vient se placer ici, un peu en opposition en termes de récupération de balles. Reste le félin. Félin, Salvo 7 PV KO. Bon, il n'y a pas la charge gratuite, mais
Il tape à 3 dégâts le félin. Donc s'il a un seul wrap, c'est la mort de Salvo. Et même s'il le met à 1 PV, le feu finit le travail. Disons que c'est une question de momentum. Est-ce qu'il a intérêt à le tuer? Moi je pense que oui. Parce que s'il monte à 8 points, il est quand même dans, on est dans cette tension où il peut finir la partie assez vite lui aussi, quoi. Ok, ce jet de dés est infâme. Tu l'as vu? 7 dés, 1 seul, 3 plus. Il y a 1, 6, 4, 1 et 2, 2. Ah, et là voilà, donc Ça du coup il y fait aura presque arrache. pas de momentum. Et deuxième. Ouais, puis surtout, tu fais 0 dégâts alors que t'as le commanding roi. Hein. La deuxième, par contre, là c'est scandaleux. Tout touche, ça fait 5, ça fait un wrap de 2. Et donc, il peut faire 2 qui font 3 et 1 qui font 2. Il peut faire 5 dégâts si je dis pas de bêtises. Ce qui l'amène à 2. Et avec le feu, donc ça le tuera pas en fin de tour. On aura un salvo à 1 PV feu. Alors, c'est pas la fin du monde. Hein. N'importe quel brewer qui s'active, il lui met une petite tatane en partant et il prend le Mais le kill. problème, c'est que ça va laisser du temps à l'ingé, et c'est ça le problème. Ouais, en fait, je pense que le brewer aurait aimé. Une des rares fois, il aurait aimé faire le kill pour avoir ce foutu. Voilà. Alors, il sait qu'il gagne pas la course au momentum. Est-ce qu'il va pas en profiter pour relever Tapper ou relever un ou une ou deux figurines? Parce que oui, le fils va arriver, mais après, il faut faire le momentum au bout d'un moment. Le Brewers n'est qu'à 6 points, entre guillemets. Hein. Après 6 points, c'est quoi? C'est un kill et un but hein, pour finir. Hein. Oui, c'est ça. Mais faut-il avoir la balle contre l'ingénieur? Et pour l'instant, c'est plutôt négatif. Donc, à chaque fois que tu tues quelqu'un, il revient. Et weak point sur quelqu'un. Ok. Bon, weak point va tomber sur Spade normalement. Et l'ingénieur va jouer avec beaucoup, beaucoup d'influence. De nouveau 16. Fuse va venir ici. Il a mis weak point sur un perso qui n'était pas sur la table. Je suis en complet désaccord. Ça, faut vraiment qu'on pose les questions parce que je comprends rien. Comment tu peux mettre un truc sur une figurine qui n'est pas sur la table? Essaye de voir s'il peut faire la passe avec Nomad et ça, je pense. Je pense que c'est Powell là qui fait les tests. Je pense pas que ce soit Bartek qui fasse les tests. Et là, il y a quelque chose que je comprends pas trop, tu vois. C'est que combien tu mets d'influence à Fuse, toi, dans ce cas-là? En fait, ce qui est chiant, c'est que tu peux pas. Pas Combien tu mets d'influence à Fuse? tu sais que tu pourras pas faire le momentum donc enfin, quoi que tu peux être 4 tu t'en fous t'as, tu sais que t'as 16 Voilà, je suis d'accord avec toi. Moi, je mets 4. Je réfléchis même pas, je mets 4. Tu vois? Et j'ai l'impression que notre ami Bartek, il est un peu radin, il en met que 2. Et c'est pas la première fois que ça lui pose problème. Qu'il n'y ait pas assez d'influence sur Fuse. Au tour d'avant, il aurait pu marquer beaucoup plus tôt. Sur Spade, Ça dépend ce qu'il peut faire aussi. Hein. ouais, bah Après, il peut jouer au connard aussi. Hein. TP Fuse, il joue la balle au sol et il la renvoie bien haut dans les lignes adverses. Vas-y, débrouille-toi. et c'est Nomad qui essaie de finir. Nomad ou Spade. Hein. Ouais, oui, Tu c'est une tues solution. Spade, c'est lui qui va finir et c'est l'un ou l'autre. Hein. La Powell est quand même dans une situation tout à fait merdique. Hein. Il regarde pour le snapshot, il regarde pour plein de choses. Oh là là, on dirait un clip des années 70, quoi. Il y a des cercles de couleurs dans tous les sens. C'est la folie. Donc, l'ingénieur décide de y aller first. Ok. Bon, bah pour moi. Est-ce que ça vaut pas le coup que ce soit Ballista qui fasse plein de momentum en foutant la merde, tu vois? Genre, il tire sur comment il s'appelle? Tapper pour en continuer à le pusher. Ou alors, tu vois, genre, juste il va sur Tapper, il le push, il le push, il le push, il le push, il tire, il le push, tu vois? Et du coup, ben, Spade peut le tuer. Et il dit, voilà, est-ce que tu essaies de sauver la balle? Non, il fait la passe à Fuse. Ok.
Hughes, dodge le 4 ici. Avec la balle. Ok. Mais la décimate peut le sortir. Hein. Justement, il Je regarde fais la menace de attention. Decimate. Il va se mettre en dehors de la menace de Decimate. C'est le genre de blague qui peut foutre un seum intersidéral. Et il est vrai. Donc là, il peut marquer. S'il se place court tir. Mais faudra-t-il le momentum? Toujours. Toujours. Et ça veut dire qu'en face, il peut s'amuser à chaos ses figurines, il peut faire des trucs. Il peut tapper pour essayer de 100% spade, de tuer Salvo, gagner des activations. Et enfin, tu vois ce que fait Bartek? Le problème, c'est qu'il montre qu'est-ce qu'il fait. Ouais. Il le montre. Et en fait, quand tu joues miner, si tu montres ce que tu fais, ben, le mec, il peut le contrer. Exactement. Donc du coup, tu peux pas vraiment faire ça. Et le problème, c'est que Après, son... c'est un risque à prendre. Hein? Après, c'est un risque à prendre. Moi, j'aime bien se prendre le risque de pas tout mesurer, etc. Ah ouais, moi je le prends Et souvent ce après, risque-là. Hein. tu fais ça à l'œil, tu vois à peu près ce qui se passe, etc. Hein. Oui. Si tu montes avec ton fusil, quoi, tu peux TP sur l'adversaire, prendre la balle, marquer. À tous les coups, il va jouer cette figurine. Moi quand je joue miner, je mesure plein de choses sur la table tout le temps. Et il y a plein de trucs que je mesure qui servent à rien. Et c'est juste pour que j'ai des proportions dans l'œil. Ah, il y a 6 pouces entre ça et ça. Tu vois, ça m'aidera plus tard. Je le sais, tu vois. Et je vais prendre plein d'informations comme ça je ne mesure pas ce que j'ai besoin. Quand je pose les tokens, à 90% du temps, c'est que j'y vais. Tu vois. Parce que c'est à mon tour de jouer, je pose les tokens pour être sûr, parce que maintenant je regarde. Et si je me plante, je fais, eh merde, et tant pis, j'y vais pas. Mais sinon, c'est que j'y vais, tu vois. Parce que si tu mesures tout ce que tu peux faire, tu montres à l'adversaire comment te contrer. Et en plus, il n'a que 2 d'influence, donc il peut pas se recycler. Il peut pas se recycler en mode j'ai 4 d'un, si tu mets quelqu'un en chemin, je me téléporte dessus. Tu vois, et je tape. Ou je charge, parce qu'il a un push de 2, dodge de 2 en 5 fuse. Il a un KO en 4. Donc ça va bien être tapeur, sans grande surprise, qui re-rentre dans les mêlées. Qui tape un âne mort. Il va tuer notre ami. Salvo, je crois. Non, pas du tout, il fait autre Il y a chose. des balistas sur la première. Ah, il K des balistas, pardon, j'ai rien dit. Seconde. K des spades. Bah ouais, il faut faire du momentum, donc autant caler tout le monde, ça va les saouler. Puis surtout, ça veut dire que Balista peut pas jouer tout de suite parce qu'il est engagé avec personne. Il va tuer Salvo. Je pense que là, c'est le meurtre de Salvo, tous ses momentum. Non. Commanding Aura, j'ai rien dit. On lance une pelletée de dés. Ça fait du momentum. Il y a beaucoup de GD, mais pour l'instant, il marque pas sur la table ce que ça fait. Je crois qu'il met des dégâts à Balista. C'est pas bête aussi de mettre des dégâts à Balista en disant voilà, si tu joues pas Balista, Balista est mort. Et il push Micheline in. En famille, au centre, cette mêlée. Ouais. Là, Stalker, il pourrait faire un petit carnage. Ça force l'activation de Spade qui se place ici. Peut se mettre en poteau de snap hein, après. Elle va, je pense, taper. Peur. Hooper, ouais. Ok, j'ai pas compris. Elle push. Ouais, elle push sur Balista quelqu'un pour qu'il puisse avoir quelqu'un à taper. Et ça empêche Ouais. la ligne de charge de Stalker sur Balista. Il tape. Momentum, push dodge. Ça foire. Et ça foire. Ouais, d'accord. Et ça foire, et ça foire. Non, ça touche. Non, ça foire. Hein. Ça fait un dégât qui fait rien. Ok, donc il fait un seul momentum avec Spade. Il aurait dû pusher à la fin la meuf là-bas. Ouais, on n'est pas super bien. Et tu vois ce qui est génial avec Pinvice, là il lui manque du momentum pour commencer. Mais avec Pinvice il te le manque pas parce qu'en fait comme t'as ta double passe, tu vas faire ton dodge, plus tu vas choper un momentum dans la Ah oui foulée tu oui vois. bah la Fuse est avec Pinvice, il se place, il fait la place à Nomad, la passe à Nomad, il prend le momentum, Nomad lui refait la passe, il dodge 4, il jog, il tire au but, fin quoi, fini quoi. Genre
Pas besoin de courir, je vais dodger de 4 à la place et je vais prendre un momentum sur la première des deux passes, quoi. Et comme on est de lingé avec 4D, on est tout en tapis sur toutes ces passes-là, franchement, les chances de le rater sont très très basses, quoi. Tout à fait. Mais Pinball, c'était assez extraordinaire. Ludo, la prochaine game que tu fais dessus, on la filmera si t'es chaud. En fait, Bah, j'en fais une ce soir. t'en fais une ce soir, bah, tu me tiens au courant, je balancerai le record dessus. En fait, tu joues très bien Pinvice et tu l'as vachement creusé. Moi, je suis un peu blasé du perso, mais parce que je suis trop coincé dans ma façon de la jouer de l'époque. Et je pense qu'il faut la jouer beaucoup plus comme tu le fais toi, c'est-à-dire en support d'abord, et plus tard en termes de striker link, qui peut être monstrueux, quoi. Ah bah oui, en plus si tu finis l'initiative, tu tues quelqu'un, t'as deux activations à la fin du tour. Et si tu link en début de tour, tu peux enchaîner comme ça 4 activations de suite. Ouais, ça peut être l'enfer. C'est juste une putain de blague. 4 Ouais, c'est. activations de suite, si t'as une spade qui est full, une pinvice qui est full et un fus qui est full, potentiellement, rien que là sur ces conneries, tu peux marquer tes 3 buts. Et là, il nous fait un truc super intéressant. Il va poser une AOE feu sur le chemin. Ouais, pour qu'il perde ses deux en move. Et voilà. Et comment tu contres ça? T'as montré le Parce qu'il plan, t'es manque au plus pouce que. près, j'en enlève deux. Qu'est-ce que tu fais? Exactement. Et en plus là, il manque plus que 2 kills au Brewer. Tu vois? Parce que imaginons il avait plus d'inf, son balista il s'active, il tire sur Stalker, il le push de 2 vers les cages, et Fuse bah, il se téléportera sur Stalker. Tu sais, il ferait je me play, je cours, je téléporte sur Stalker, je tire au but. Mais comme il a que 2 d'inf et pas 4, ben. Voilà. Et ça, c'est problématique. Le Brewers, il a 2 kills à faire. Le chat peut charger. C'est ouf, des teammates, elle pourrait faire un carnage aussi. Enfin, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué pour l'ingénieur. La mêlée centrale est en train d'être perdue, ce qui est S'il arrive normal. à tuer après Balista, du coup il aura même pas joué quoi. Bah là, je vois pas comment tu tues Balista. Elle a 4 d'inf, des teammates? Ouais, la 4 d'info. Peut-être, hein, peut-être avec 7D comme ça, elle le ramène sur le chat dès la première attaque, donc 8D. 8D sur du 2-0. Il faut frapper à chaque fois, tu fais 4 dégâts 16, hein, c'est possible. Si elle fait ça, le jeu, c'est dur quoi. Mais c'est à Bartek de jouer entre temps, donc moi je pense que là il doit jouer Balista, enfin je vois pas. Ouais, parce que s'il les joue pas, il prend rien en faire. De toute façon, il a le temps, il sait que Fuse, il n'y a rien à craindre, entre guillemets, pour l'instant. Ben, il peut pas le contrer autrement qu'en mettant cette AOE feu en chemin, c'est chose qu'il a fait. Ok. Donc, Balista a tapé sur Decimate, je pense. Il vient là, le chat imprédicable, il se met à 1, à plus de 1 peut-être. Voilà. Il tape tapeur, KO. Minefield. Le problème c'est que sans tool-up sur autant de points de vie tapeur, il a perdu 7 PV, il l'a pas soigné une seule fois en PV en 3 tours quoi. Tu peux pas vraiment le tuer avec cette line-up là, un gel ne tue pas. Elle est très football. Mais c'est marrant de l'avoir joué, mais je trouve qu'il y a eu quelques petites erreurs de choix côté Bartek sur le football qui fait que. Il commence à payer les pots cassés, tu vois, et ça commence à faire Ouais. beaucoup. Deux fois Fuse, pas assez d'influence, quoi. Deux fois d'affilée. Il serait temps de faire confiance à Fuse. Et il met tapeur au sud, comme ça, très, très loin. Pas de charge à 1, pas de trucs comme ça, c'est pas mal. Après, le chat pourrait venir taper Balista, il le push loin, il le remet dans l'aura de charge pour 1 et voilà quoi, c'est un peu infini. Les Brewers, c'est pas le push qui leur fait peur. Mélinger est tout de même à 8 momentum. C'est marrant parce qu'il les joue presque comme un Fischer Shark, c'est vraiment impressionnant sa façon de faire à Bartek. On voit qu'on a des écoles 1G mais très 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 différentes. Tu vois un peu la différence avec comment moi je les joue et tout ça, hein. Ouais. C'est fou. Hein. C'est la beauté de cette faction, c'est que. Elle est tellement polyvalente que c'est rare de trouver deux ingénieurs d'accord.
c'est très bien. Vrai qu'en brewer, généralement tous les tapeurs sont d'accord entre eux. Bah t'avances et puis bah tu tapes. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vois ça, je vois ça, je Top, vois ça. tu commandes d'un gras et tu tapes. Ouais, c'est pas mal Après, tu aussi, fermes. c'est pas mal. Parce qu'il y a le bon tapeur et le mauvais tapeur. Bon tapeur, il tape. Et comme Le Spade mauvais est tapeur, il tombé, avance, il tape. et le problème c'est que, tu vois, c'est là où Powell, tu vois qu'il est quand même super bon. Il a forcé l'activation de Ballista, enfin de Spade, parce que Ballista ne pouvait pas jouer. Et du fait qu'il ait fait ça, Spade a dû jouer pour faire du momentum. Et du coup, Fuse peut pas kicker vers les cages juste comme un couillon en mode lol, tu vois. Et là, Fuse, il fait un truc où j'ai envoyé un SMS à Bartek après son activation, bien sûr. Je lui ai dit, mais pourquoi t'as pas tenté de la jouer au sol? Et depuis Ah oui? là où tu l'as kické au sol, de tenter de tirer au but, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, Ludo? Ah bah j'avais fait cette blague une fois contre JL, mais juste la blague. Alors imagine, Fuse qui revient du bord de table, hein. Ouais. Il reprend la balle, il la re-kick, enfin il le kick dans de ses mains au sol, après au sol il pouvait remettre le but. JL m'a regardé, j'ai fait, mais t'es parti de la... de ton camp, t'étais mort! J'ai dit, bah oui, avec un peu de chance ça marche ces conneries. Bah ouais, là en fait avec ses deux d'influence, il court 2 pouces moins loin, il shoote la balle devant lui, et Ouais, c'est ça. il calcule pour qu'elle reste dans les 6 pouces et qu'elle soit à 6 Ouais. pouces des cages. Ça représente entre un tiers et la moitié de la déviation possible. Un tiers à peu près. Mais comme c'est relançable Même parce si... que t'as réussi le kick vu que t'as 4D, et Mais ben c'est jouable. potentiellement t'as quand même 60-70% de chance de le mettre ton but, tu vois. Et donc du coup. Exactement. Et mais même s'il n'y est pas, qui va chercher la balle? Et ben voilà. C'est ça. Au pire, même si tu peux pas la kicker au cage, tu la kicks depuis le sol encore vers les cages adverses et Fuse pourra marquer tout seul au tour prochain. Et en fait, là, il l'a même pas tenté, tu vois. Il a juste couru pour se mettre safe. Et maintenant, il se fait bolosser. Voilà. Le chat est venu push, comme je disais, Ballista dans la mêlée du cap. Du coup, on a une charge de la part des teammates. Ça va bolosser. L'ingénieur, il a beau être à cette momentum, c'est foutu à ce moment-là. Il a plus d'influence sur la table, le Brewers, il lui en reste pas des masses, mais il a l'initiative. Et puis là, il va faire des kills, quoi. Ah putain, c'est dommage, j'étais gagné pour l'ingé sinon. Et oui, et deux fois, Fuse, pas assez d'influence. Le tour Ouais. d'avant, il avait 3 d'influence, il kickait la balle sur Mainspring ou Spade, il y avait le deuxième but au milieu ou au début du tour 2, tu vois? Et Ah, c'est rageant. là il mettait 4 d'inf, mais il y a but. Il se place, Ouais. il charge Stoker, il fait un push dodge de merde, et il pose la balle au sol, il tire au but et c'est bon, ça suffit. Et s'il a de la chance sur les jets, il peut même le push dodge de 2, c'est push de 2, dodge de 2, voir le KO y retaper. Tu vois. Ou alors Ballista aurait pu tirer sur Stoker pour le pusher vers le haut, comme je disais, pour que tu téléportes dessus et tu marques directement. De 2 pouces, tu vois. Parce qu'il y a largement les 2 pouces plus le machin qui fait 3. Et Aïe aïe aïe. Ah Après c'est c'est un G, hein. difficile. Un G c'est beaucoup de solutions, hein. C'est beaucoup de solutions, trouver la bonne c'est pas toujours facile. Hein. T'as tellement C'est un tout. panel qui importe. C'est ça. Et t'as tout résumé chez un G. C'est une boîte à outils extraordinaire. Si tu sais pas l'utiliser, tout est nul. Par contre, Ah, si tu... si tu sais trouver la solution à la problématique, c'est excellent. Si tu aimes chercher cette situation est comme ça, comment je gagne? Si tu aimes ce genre de questionnement, 1G est la meilleure faction du jeu pour y répondre. Parce que tu as toujours des options. Tu vois? À l'inverse de Brewers, où il y a plein de fois, il n'a pas d'options. Tu vois? Il n'a pas d'options. Je ne peux pas faire ça. Par contre, ce que je Moi, je peux trouve faire, que c'est fort. passer par 1G, passer par Miner avant pendant quelques games, c'est une putain d'école en vrai. Bah oui, nettement. Mais En parce fait, que. après, tu croises les deux. Ah ouais. En fait, 1G, tu vas avoir l'école du jeu normale, en fait, et Miner qui a vraiment sa propre école du jeu, et quand tu vas croiser les deux, c'est explosif. Là, c'est ouf. Et encore, tu joues Pinvice qui offre des tricks de Soltessien et des links comme les maçons. Donc là, tu commences à avoir tellement de gameplay sous la main que c'en est étouffant. Que savoir quoi faire est dur. Ça, Tu vois? plus un double tool up que tu peux mettre Ouais, c'est aussi. ça, Donc tu c'est peux ça. tuer également. C'est ça, c'est ça. Mais tu peux tout faire. Tu peux tout faire. En ingénieur, tu peux absolument tout faire, sauf du contrôle. T'as pas de contrôle. Mais tu peux faire tout le reste. Parce Et donc que même la c'est ouf. spade peut tuer. La spade, tu la mets en double tool up Ah bah sur oui. quelqu'un qui est en single out. Bah Mais... oui. Chaque wrap est fait 2 qui font 4 et 1 qui font 3. 7 dégâts par attaque. Ouais, tu peux. Tu sais qu'elle se jouait. Moi je la jouais vachement comme ça quand elle avait tac 6 avec Rivette. C'est elle que tu tool up. Tu faisais tool up sur Spade et soit elle marque, soit elle tue.
C'était incroyable à jouer. Et tu jouais triple striker, c'était très fort. Bon, alors après, ça a été nerfé parce qu'ils sont dit Spade et Velocity 1, Taxi, c'était trop. Mais bon, bah du coup, on voit moins Velocity 1, mais on Mais même continue de voir tac Spade, hein. 4, ah, même tac 4 avec ton wrap, mais ça serait juste débile hein. Si ton setup il est bon, tu peux faire 4, donc ça fait 14 et 28 PV. Ouais, ça peut être ouf, ça peut être ouf. Et c'est en mode soit je marque, soit je tue, comme tu dis quoi. Ouais, c'est ça, soit je marque, soit je tue, soit je veux m'adapter. Le mec fait la moindre erreur, le moindre truc, il comprend pas mes mécaniques, c'est déjà foutu pour lui. Hein, c'est vraiment impressionnant. Et donc on a un Ballista à 3 PV, une Spade à 10 PV qui est ramenée dans les mêlées. Tapeur, donc là on est au début du tour prochain, j'ai pas vu les cartes, moi j'étais dans notre discussion, j'ai pas bien vu ce qui a été joué. En gros, le Brewers go first, il doit faire les deux kills, sinon c'est perdu, c'est aussi con que ça. Plus 7, plus un attaque à l'adversaire. On Ouais, l'envoie en haut à Fuse a droite. plus 1 en tac. Alors, Stoker peut charger Fuse. Ah, il est dans un terrain difficile, hein, Stoker. Ça Il a joué la tranche. carte des dodges. Ce qui est très bien, la carte des dodges pour pouvoir charger en vrai. En mode, il va pouvoir replacer son tapeur et puis rééloigner ceux qui vont pouvoir charger, etc. Donc c'est génial cette carte Ah pour oui, les ils l'ont brewers en pas vrai. encore joué. Ils l'ont pas encore joué. D'accord. J'ai l'impression. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais il peut aussi sauver son balista ou sa spade du coup. Exact. Ouais. C'est à double tranchant quoi. Mais il peut mettre Stoker sur le fuse. Mais Après, s'il est collé à Decimate, donc Decimate sera forcément encore en contact de Spade. ouais. Soit voir, soit voir. Soit... Mais je crois que c'est parti. Je crois que c'est l'activation de Tapper. Il fonce dans le tas. Ça va être un chaos sur Spade. Je le vois bien faire un petit Commanding Aura et tuer Ballista sur les deux prochaines attaques. Mais du coup, il a quoi? Il a deux attaques pour tuer Spade. En boostant, il part à 7 dés, 8, 9, 10 dés. Il a 10 dés, il booste, ça fait 11 dés sur du 3-1. 11 dés sur du 3-1, la moyenne c'est les deux tiers, donc c'est 7,5, 8. Moins un armure, ça fait 6,5, 7. Et ben ça veut dire qu'il wrap, et s'il wrap les deux fois, il tue. Et il gagne la partie. Ça va jouer au dé. Donc. Non, il cherche pas le Commanding Aura, il va tuer Ballista, j'ai rien dit, il cherche même pas le Commanding Aura. Et bim! Double kill, mec! 12 GG! Blah. Double kill! Eh oui, ton Fuse, il a 4 d'inf, mais c'est trop tard, Bartek! Il a 4 d'inf, un tour trop tard! C'est trop tard, deux tours trop tard, les 4 d'inf sur Fuse! Eh oui! Et regarde, et là, tu vois, comme je l'avais dit, il essaye, il dit, attends, au tour dernier, j'étais là! Est-ce que si. Est-ce que ça Ah marchait, là tu là, le vois? Tu vois, il seum. regarde et il fait, ah ouais, il faut que la balle, elle tombe juste sur la petite diagonale. Donc tu Bah vois, oui. c'était quand même assez fermé comme option. C'était quand même assez fermé comme option. Merde, le fichier s'est barré. Oh là là. Il faut que je reprenne Ouais, moi le. c'est Je suis pareil aussi, ça désolé. s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Je suis désolé, je relance la vidéo. Je vais remettre pause vers la fin au moment où il fait le test. Mais voilà, c'est là, c'est ce que vous voyez là. L'espèce de petit ovale entre les deux ronds. Si la balle tombe dans cet ovale-là, mais c'est within, c'est-à-dire qu'elle n'a pas à être complètement dedans, donc en vrai ça fait une grosse aura. Exactement, ouais. Et ben tu peux kicker au cage, il aurait pu le tenter de désarroi, de se dire de toute façon, si ça Mais qu'est-ce que passe, ça il avait coûte? eu. En Ça mode, passe, la qu'est-ce que ça partie elle est coûte? finie. T'as rien à perdre. T'as rien à perdre à le faire. Et si la balle elle est kickée loin chez lui derrière, machin, bah Fuse il peut toujours au prochain tour la récupérer et marquer. Donc effectivement, il y avait eu ces options-là. Et ça, et imagine, il avait eu plus d'inf. Alors forcément, avec plus d'inf, il aurait tout fait. Il aurait pu charger Stoker avant de faire ça. Et donc, du coup, gagner encore de la distance sur le sol. Aïe aïe aïe, le fuse. Même avec un inf de plus, il aurait pu courir 2 pouces plus loin pour avoir encore plus de cet angle-là. Avec 3 d'inf. En cliquant comme ça, il aurait pu courir, poser la balle, la shooter. Et la shooter une deuxième fois. Aïe 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 aïe. C'est assez triste parce que l'ingénieur, il passe à rien de la victoire. Powell joue quand même extrêmement bien. On voit le mec qui joue Brewers depuis très longtemps, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et qui connaît un G. En fait, c'est le mec il connaît sa faction, mais en plus, il va gêner l'autre. Et ça joue énormément, en C'est vrai. beau, hein? C'est exactement ça. C'est-à-dire que son tapeur, bah, il va pas aller marquer. C'est le plan cul. Il va plutôt aller setup salvo, tour 3, tu vois. Pas besoin. Et il va plutôt, tu vois, il va plutôt s'adapter. Il se dit, ouais, bah, fait rouler la balle, on va voir ce qui se passe. Le chat est une excellente figurine de camp de balle, le chat. Vraiment Oui, incroyable. tout à fait. Parce qu'il a 5-0. Ouais. Handicapable move, si t'as pas ta MZ2, vas-y, je me casse. Après, moi, j'ai été salement étonné de ce choix
Après le KO de avec Salvo qui a mis KO Tapper, la balle roule. Il décide d'aller marquer avec vétéran Spigot. Et moi je pensais qu'il allait Ouais. courir avec le chat, prendre la balle et la camper chez l'ingénieur. Tu vois? Ouais, tout à fait. Le temps de lui pourrir la vie au corps à corps pour monter à 4-6 points, tu vois, et marquer pour être à 10 ou à Exactement. 12, tu vois. Ouais, c'est ça, avec le chat tu te mets dans le coin, etc. T'attends gentiment, et une fois que tu commences à monter à 8 points, bah tu réinjectes la balle en mode Et bah allez tu hop, marques et maintenant puis voilà quoi. maintenant Et ton chat il va on va partir. commencer à jouer au foot, hein. Bah Vu voilà. que t'as plus que 3 figurines. Ouais, puis. En vrai, moi je m'attendais à ça. J'ai été étonné qu'ils choisissent l'option but. Qu'ils disent bah non, je vais marquer avec vétéran Spigot. J'étais vraiment étonné de ça. Parce que du coup, bah, l'ingénieur il force le ping-pong, forcément, vu qu'il a l'avantage. À ce moment-là, il y a pas assez de points de victoire de kill pour atteindre les 8 points fatidiques. Du coup, c'est étonnant. C'est vraiment étonnant comme choix de la part de Powell. Bon, ça s'est bien fini pour lui, donc il a eu sensiblement raison. J'ai pas beaucoup aimé Nomad dans ce match. J'ai l'impression que n'importe quel striker aurait fait pareil que lui. Ouais. Bon. Voire même comment il s'appelle? Ratchet aurait fait tout autant. Il aurait pu réinjecter la balle en shootant vers le nord ou quoi. C'était une belle partie, en vrai. Ça fait vraiment plaisir de voir une méta très très loin de la nôtre qui est la polonaise. Et ça fait plaisir. Tour 1, 4-0. Tour 2, 0-0. Putain, c'est incroyable, en vrai. 4 points de victoire en 2 tours de jeu dans un ingé versus tapeur. Si nous on fait le match-up, il y a 8-4 ou 8-6, tu vois. Genre, ce serait plus fort que nous, faut qu'on marque des points de victoire. Mais vraiment très très chouette. Bah écoute, voilà Ludo, moi ça m'a fait plaisir de commenter Ah. cette game. J'espère que vous l'avez Mais moi appréciée. également. Je vais Je continuer pense que... d'essayer de chourer des games sur Vassal à droite à gauche de joueurs qui sont pas forcément des méta que françaises, mais je vais aussi essayer de choper celles de nos copains, bien sûr, pour qu'on puisse avoir un peu plus de contenu sur la chaîne Anguille Ball et sur les parties. Ça montre d'autres méta, ça montre d'autres façons de jouer. Si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas à vous commenter, vous nous en parlez un peu. Et puis voilà, et puis nous on se retrouve bientôt. Et ça pour une prochaine vidéo. Pour En faire bonne du guildvol, du ambiance. briscard, du carnage, Et dans la comme bonne ambiance, d'habitude, comme d'habitude, sur tous comme les jeux. toujours. Et ben on vous dit à bientôt les gars. Exact. Allez, à Salut. plus, ciao ciao! Ciao.